Oh yeah. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouveau, tout beau Bibédito. Et aujourd'hui, j'ai retenu deux sujets du mois passé. Alors tout d'abord, je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi les fameux Bibriefs de l'E3 2015. Vous avez certainement constaté, vous allez me dire, mais il en manque un, celui de Square Enix. Oui, en effet, je devais le faire. Ben, je le ferai pas. Voilà, en fait, tout simplement, même si c'est pas mon métier de faire des vidéos, je le reconnais ouvertement, je veux quand même que le travail soit un minimum carré et de qualité. Or, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait pour la conférence Square Enix, c'était dégueulasse. C'était vraiment, le rendu était vraiment pas terrible, et puis j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Donc je me suis dit, non, ça sert à rien de rendre un truc pareil, c'est pas la peine. Donc il n'y aura pas de bibrief de la conf de Square Enix. Au moins, vous êtes tenu, entre guillemets, vous n'êtes pas tenu responsable, évidemment. Mais je veux dire, vous êtes au courant maintenant de la situation, je préfère vous le dire tout de suite. Autre point aussi, il se peut que pendant les grandes vacances, je mette en avant et je remette en fait sur la chaîne YouTube des vieilles vidéos de tests que j'avais fait sur Daily. Donc si vous avez des idées particulières de tests que vous voulez revoir, n'hésitez pas à me le dire. J'avais pensé par exemple à Alan Wake, Max Payne 3, The Last of Us, les Gears ou quoi que ce soit sur la chaîne. Alors, ils seront remis en l'état, hein, c'est-à-dire que là en l'occurrence, ça sera, si c'est en SD dégueulasse, ça sera en SD dégueulasse. Donc dites-vous une chose, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ou à la limite, pourquoi pas, refaire une petite vidéo que j'appellerais « Retour sur » et ça serait un retour sur un Gears of War, un retour sur Mass Effect ou ce genre de choses, mais sans retester le jeu en fait. Voilà, parce que je l'ai déjà fait le test. C'est comme vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi exactement si vous avez envie de ce genre de vidéo et à ce moment-là, si je peux le faire, je le ferai, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'était les deux premiers points que je voulais donc mettre en place. Ce qui va faire au final 4 points que je vais évoquer dans la vidéo. Plus précisément ici, ça va être évidemment de parler d'un des premiers points que j'ai retenu, c'est l'E3 2015. Alors pour beaucoup, l'E3 2015 a été ultra décevant, pas palpitant quoi que ce soit. Bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il faut arrêter de faire les blasés. Parce que même si pourtant moi je suis terriblement exigeant dans mes choix de jeux aujourd'hui, et vous le savez maintenant, ceux qui suivent mes tests sur Dailymotion le savent, et le voient bien, je suis ultra exigeant de plus en plus. Et là en fait je me suis dit, mais putain on a quand même eu un E3 qui était cool. Je dis pas qu'il était exceptionnel, il était cool, vraiment bien meilleur que ce qu'on a eu auparavant, parce qu'on a eu aussi des annonces qui étaient quand même, il faut le dire, palpitantes. L'annonce d'FF7 Remake, toute proportion gardée évidemment. L'annonce du Kickstarter de Shenmue 3, pareil, toute proportion gardée. Mais enfin, on a eu du The Last Guardian. On a eu l'annonce notamment de nouvelles licences comme Record chez Microsoft. Le nouveau Rare, même si pour l'instant, moi, ça m'emballe pas plus que ça. Mais c'est une nouvelle licence quand même. Ça a été aussi la licence d'Ubisoft For Honor qui a été mise en avant, puisque c'est une licence. C'est l'annonce aussi de la suite de South Park, ça aussi, putain les gars, franchement ça fait ultra plaisir, alors qu'on pensait même pas que ça allait revenir. Nier, la suite de Nier, enfin de ce projet entre guillemets, Nier ou Nier, je sais pas comment vous le prononcez, j'ai toujours dit Nier, bizarrement. Moi ça m'a fait palpiter mes boules dans mon slip quoi, ça a fait ça les a entrechoqués, j'ai fait putain, c'est génial quoi, enfin, et tout un tas d'autres annonces qui ont été faites ici et là. Putain, les gars, si vous trouvez ça décevant, arrêtez le jeu vidéo. Hein. Ah, mais arrêtez tout de suite. Hein. Allez vous enfermer dans une grotte, c'est pas possible. Putain, écoutez, franchement, alors certes, ce sont des jeux qu'on n'aura pas maintenant, mais je veux dire, rien que le fait de les avoir vus et de plus ou moins savoir ce qui pourrait nous attendre sur certains jeux en particulier, moi, j'ai envie de dire, les gars, ouais, c'était quand même sympa. Voilà, c'était pas un E3 de surprise, mais celui qui attend des surprises dans l'E3, enfin, sur des nouvelles licences en particulier, je crois qu'il peut partir tout de suite, parce que c'est fini ça, les grosses surprises à l'E3, enfin, je dis ça, mais on en a quand même eu de belles surprises à l'E3 cette année, donc au final, ça ne va pas très bien. Mais voilà, vous avez compris que quand même, l'E3 était quand même relativement agréable, même si moi je retiens aussi des choses qui ne m'ont pas forcément plu. La compile de Rare, moi je m'attendais vraiment à du Banjo 3 ou à du Conker. Bon bah, certes, on a une compile, ouais. Ils ont même pas repris Conker de la Xbox, ils ont repris celui de la N64. Bonne version, mais enfin bon, elle sera pas retouchée, rien du tout, elle va être balancée en l'état. Donc si ça rame autant que sur N64, ça promet.
Pas de GoldenEye, on s'en doutait, pourquoi? Parce que GoldenEye, les droits appartiennent à un autre éditeur. Alors je sais pas si c'est encore Activision qui les a, mais du coup, bah, pas de GoldenEye sur cette compile, donc ça ne sert à rien. Pas les Donkey Kong Country, mais on s'en doutait vu que c'est Nintendo. Pas de Diddy Kong Racing, enfin bref, cette compile ne sert pas à grand-chose, on va le dire. Surtout qu'en plus, comme je vous l'avais dit dans mon bibrief de Microsoft, les jeux Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, si vous les avez achetés sur Xbox 360, là, grâce à la rétrocompatibilité quand elle va arriver, eh ben vous pourrez y jouer. Alors à quoi elle sert cette compile? À rien, voilà. Sauf pour celui qui veut redécouvrir les jeux de Rare et même les vieux jeux de Rare. Hein. La nouvelle licence de Rare qui m'emballe pas plus que ça. La conférence Electronic Arts qui a été dégueulasse. Nintendo qui a fait de son mieux pour présenter quelque chose avec un Metroid Prime qui avait l'air... Voilà. Etc. etc. Call of Duty qui a l'air toujours aussi moisi. Enfin, pas moisi, mais disons qu'il est toujours aussi générique. Moi, il m'emballe plus. Moi, ça ne m'emballe plus ce genre de jeu, je vous l'avoue. On est en train de s'emballer sur de la coop. On dit, ah, de la coop, c'est génial! Ouais, sauf que Halo le faisait 10 ans avant. Donc, c'est bien de se mettre au diapason 10 ans après. Hein? Voilà. J'exagère un peu. Mais vous avez compris dans l'esprit ce que je voulais dire. Bref, on a eu quand même, en global, dans sa globalité, un E3 qui était cool. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il était cool. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc c'était le premier point déjà que je voulais redonner ici. Et deuxième point, alors ça fait référence plus ou moins à quelque chose qui s'est passé là il y a quelques jours, quelques semaines, petite semaine. Vous êtes au courant que la version PC de Batman Arkham Knight est juste honteusement dégueulasse. D'ailleurs, elle a été retirée là tout récemment de Steam parce que Warner a enfin ouvert les yeux en se disant: ah bah ouais, c'est vrai que le jeu était quand même dégueulasse, hein? Ah! Bah c'est normal, les mecs, ils vont confier un portage à un studio de 12 personnes. Iron Galaxy en l'occurrence. Putain, 12 personnes. Que veux-tu que ces gens fassent par rapport à un projet comme ça? Ils sont 12! Ils peuvent pas non plus faire de monts et merveilles. Et ça, on en vient à un point qui, moi, me gêne terriblement dans cette génération aujourd'hui et qui est juste, mais dégueulasse. Ce sont... Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ce que je dis de Batman, mais je pourrais dire ça, par exemple, d'autres jeux comme Assassin's Creed Unity, comme... comment il s'appelle? Mortal Kombat, PC en l'occurrence également, ou d'autres jeux qui sont arrivés dans un état plus que très lamentable. C'est cette génération de jeux pas finis, cette génération de jeux en kit, cette génération de jeux Day One, voilà, de jeux mis à jour Day One. Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est voilà, c'est le syndrome de la mise à jour. Voilà, c'est le syndrome du jeu pas fini. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus aujourd'hui de jeux, dans 80-90% des cas, on a des jeux où quand tu vas lancer le jeu, tu te tapes une bonne petite mise à jour hein, de 5 gigas ou 8. Donc c'est pas de la petite mise à jour de merde, hein, c'est de la mise à jour de 1, 2, 3, 4, 5 gigas, voire plus. Hein. Mais putain, c'est quoi cette génération de mousse? C'est quoi cette génération en carton-pâte? Qu'est-ce que c'est que ces jeux qui sont finis au fût de bière, à la pisse de moineau? Putain! Franchement, vous, ça vous choque pas. Je vois plein de gens qui disent, alors c'est normal, le jeu il va arriver, mais c'est normal, on aura le droit à un patch Day One. Comme si aujourd'hui c'était devenu normal d'avoir des patchs Day One. Vous trouvez ça normal de télécharger 20 gigas de mise à jour le jour même? Vous trouvez ça normal d'avoir des jeux qui sont pas finis, qui rament comme c'est pas permis, qui sont pas du tout optimisés, et on te dit, c'est normal, le patch Day One va améliorer tout ça? Ouais! Vous trouvez ça normal de vous taper des jeux où vous allez devoir justement après vous taper X mise à jour tous les 2-3 jours parce que bah, il manque du contenu, parce qu'il n'y a pas assez de trucs, parce que ah bah, finalement ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Vous trouvez ça normal? Mais cette génération sur ce point... Sur ce point-là en particulier, que ce soit en termes de DLC, de mise à jour, de Season Pass, est la une des pires générations de tous les temps. Une des pires générations de tous les temps. Je n'ai jamais vu autant de jeux dégueulasses, autant de jeux pas finis et autant de jeux optimisés à la teub. C'est dingue, c'est dingue. Et tout le monde est touché, hein. On se souvient de Halo Master Chief Collection.
Les mecs, putain, rien que le début, tu pouvais même pas jouer en multi, et il a fallu taper au moins 10 000 gigas de mise à jour pour que tu puisses enfin jouer dans de bonnes conditions. Il est où le problème, sérieux? Il est où le problème? Alors, bien sûr que les développeurs ne sont pas non plus totalement responsables. Oui, ils ont une responsabilité, c'est un fait. Mais qui est réellement responsable dans l'histoire? Il y a une part de responsabilité des développeurs qui ont tendance un petit peu, parfois, à se dire, s'en fout, il y aura un patch qui va arriver. Solution de facilité. L'éditeur qui se dit, c'est pas grave, nous on a dit, c'est nous mois de novembre, point barre. Voilà, il faut respecter les engagements et tout ça. Donc là, on se dit, ok. Bon, bah du coup, ça met une pression monumentale au développeur qui, du coup, doit essayer de faire de son maximum pour sortir quelque chose de potable, alors qu'il sait très bien que ça va pas être forcément super sympa. Ce sont aussi les actionnaires, faut pas les oublier, hein, ces espèces de vautours, ces rapaces volants, ces espèces de fientes qui viennent pourrir le milieu du jeu vidéo. Les actionnaires, c'est eux, clairement. Moi, je peux pas les piffrer, ces gens-là, parce que il faut le dire, il faut dire concrètement les choses. Eux ont un poids maintenant dans, je dirais, le développement du jeu. De manière indirecte, évidemment, de manière indirecte, mais ils ont un poids. Et là, je me dis, putain, eux, je suis sûr que eux ont une part de grosse part de responsabilité parce que, voilà, il faut plaire aux actionnaires, mon Dieu machin, il faut les rassurer, voilà, si ça sort au mois de novembre, ça sort au mois de novembre parce que sinon, les actionnaires, ils seront pas contents, hein! Mais allez vous faire foutre, les gars, allez vous faire foutre, sérieux. Moi, si j'ai envie d'avoir un jeu qui soit fini, eh bien, je prends un exemple, par exemple, encore une fois, je prends toujours le même exemple de. CD Projekt, ils se sont dit, non, on va repousser notre jeu de 6 mois. On a dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi? On a fait, les mecs, ils ont fait, les gars, notre jeu, il est fini, mais on veut le peaufiner du mieux possible. Ça, c'est des putains de développeurs, ça, c'est des mecs qui comprennent ce qu'il faut faire, ça, c'est des mecs qui n'ont pas, entre guillemets, non plus de pression monumentale, qui se disent, les gars, on emmerde le monde, on emmerde la finance, on emmerde les mecs, et on leur met des gros doigts dans le as. Pour leur dire, non, nous on prend notre temps. Alors oui, on a eu quand même un jeu avec des bugs, etc. Mais ça, je veux dire, ça arrive dans tout monde ouvert qui se respecte. Mais les gars, ils en avaient rien à foutre. GTA, ça a été pareil. Combien de fois le jeu a été repoussé? Au final, quand il est arrivé, il était dans une qualité qui était quand même, il faut le dire, relativement bonne. Même la version PC. Pourtant, Dieu sait que la version PC, on avait peur avec GTA 4. Et bien la version PC, elle arrivait dans un état convenable. Convenable. Voilà. Vrai, et bien plus que convenable d'ailleurs, il faut le dire. Donc, quelle est cette génération aujourd'hui de jeux pas finis, où on doit se taper des mises à jour à longueur de temps, à répétition? Moi, honnêtement, Drive Club, par exemple, j'ai même pas envie de le relancer, hein. Mais j'ai peur de me taper 200 mises à jour derrière dans le bal. Halo, c'est pareil, j'ai même pas envie de le remettre. Si c'est pour me retaper je sais pas combien de mises à jour, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet état d'esprit où on a l'impression que les jeux arrive en kit. Voilà. En gros, les jeux d'aujourd'hui, les triple A, c'est l'early access de demain. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on va te dire, bah écoutez, le jeu est pas fini, on s'en fout, hein, on vous le donne, hein, enfin on vous le donne, on vous le fait payer quand même 50 balles, hein, mais voilà, vous l'avez, vous démerdez, on mettra des patchs quand il faudra, etc. etc. Et là, t'as envie de leur dire, putain les gars, putain! Réfléchissez un petit peu, quoi. Putain, je vois que mes cheveux, c'est encore horrible. Voilà. Oui, désolé, hein, bah, je me cherche encore, hein, au niveau des cheveux. Mais voilà, c'est vrai que franchement, moi, plus le temps passe, plus je suis écœuré de cette génération, plus je suis dégoûté. Moi, j'en ai ma claque d'avoir tout le temps à me demander si, quand je vais mettre mon jeu, je vais pouvoir jouer instantanément ou je vais devoir me taper une saloperie de mise à jour Day One ou une saloperie de mise à jour qui va certes améliorer le jeu, mais qui aurait très bien pu être déjà amélioré de base quand j'achète le jeu. Voilà. Et on en est vraiment à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, je peux pas comprendre qu'on en soit arrivé là. Alors c'est bien les consoles connectées, hein, entre elles, hyper connectées, super connectées, sauf qu'on en arrive à un résultat comme ça, il y a des dérives. Alors encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien sûr que non, il y a des éditeurs qui font très bien leur boulot. En règle générale, souvent, moi je retiens surtout Nintendo,
Nintendo, en règle générale, c'est rare quand les mecs te balancent une mise à jour de autant de gigas. En même temps, j'ai envie de dire, vaut mieux pas, parce que vu le nombre d'espace restreint de la Wii U, vaut mieux pas. Mais en règle générale, leurs jeux sont finis et optimisés. Hein. Tu regardes un Donkey Kong Country, tu regardes un Super Mario 3D World, tu regardes même un Bayonetta. Le jeu est nickel chrome. Il n'y a pas besoin de milliards de mises à jour. Les jeux sont nickel. Je parle pas du multi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent sur Super Smash Bros. Super Smash Bros, moi en solo, j'avais aucun problème. Hein. En multi, c'était autre chose. Mais en solo, ça allait. Ça allait. Il était fini le jeu. Fini, optimisé. Voilà. Il y a des gars quand même qui font bien leur boulot. Je reviens évidemment sur CD Projekt par exemple. Je reviens aussi également sur certains éditeurs first party, et notamment Naughty Dog, qui ont toujours fait un boulot, quand même, il faut le dire, monumental, et qui le confirment une fois de plus, encore une fois ici. C'est bien sûr d'autres studios qui en font partie, et d'éditeurs même en règle générale, hein, que ce soit développeurs et éditeurs qui font aussi du bon boulot. Mais voilà, il y a des vilains petits canards. Il y a des espèces j'ai pas envie de le dire, mais des espèces de merde, voilà, qui viennent se rajouter, qui te disent, nous on s'en branle, nous on s'en branle, voilà, nous on vous dit ce jeu il sort au mois de novembre, ouais mais attendez les gars, comment vous dire, on n'a pas fini, on s'en fout, il sort au mois de novembre. Ah, bon, bah tant pis. Eh ben voilà, voilà la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, on s'en fout, on va dire que bah, c'est normal et qu'il faut une mise à jour et que voilà, c'est ça doit arriver à telle date, point, barre, basta, et tu te démerdes. Triste génération aujourd'hui. Je sais pas si ça va s'améliorer, mais aujourd'hui, c'est vrai que je fais peut-être un constat un petit peu dur de la génération actuelle, mais il faut dire quand même beaucoup de choses là-dessus. On en est quand même arrivé à un point où ça devient vraiment dégueulasse. Ça donne même plus envie de jouer parce qu'on se dit que bah on nous prend peut-être aussi un petit peu pour des abrutis. On continue à acheter, c'est ça le problème. On continue à acheter. Je veux dire, moi-même je suis fautif. Moi-même je suis fautif. On l'est tous. À partir du moment où on achète un jeu qui n'est pas fini, on cautionne le fait qu'un jeu ne soit pas fini. Je veux dire, on est tous responsables. Tous. Tous sans exception. On l'est. On l'a tous été à un moment donné. On l'est également dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est dommage, mais j'espère que ça va finir par changer un petit peu parce que honnêtement, se retrouver avec ce genre de désastre, il y en a vraiment plein le cul. Moi, j'en ai vraiment plein le cul. Moi, j'ai envie de me retrouver avec des jeux qui soient bah, comme il y a 5 ou 10 ans, c'est-à-dire des jeux qui étaient finis un minimum. Voilà, c'est pas compliqué. Et faut pas me dire que c'est une histoire de pognon, une histoire de temps. Oui, certes, mais il faut en vouloir aux bonnes personnes. Ceux qui pressent le temps aux développeurs, ceux qui n'en ont rien à foutre finalement de la qualité générale, les actionnaires qui ont une part aussi de responsabilité, qui veulent que tout soit fini en temps et en heure, et qui veulent que tout soit parfait dans un minimum de temps, parce qu'il faut forcément qu'il y ait du bénéfice, du profit, fric égale pognon, le blé, le pèse, le fric, le pognon, le blé. Ah, fric! Le fric, c'est chic! Voilà. Ah bah eux, ça va être marqué le fric, c'est chic, le fric. Voilà. Hein, au niveau du as, là, au niveau du cul, à mon avis, l'anus, ça va être marqué fric. Voilà. Pognon, voilà, blé, là, tu vois l'épi de blé, il est dans le fion, dans l'anus, comme ça, blé, voilà. J'exagère peut-être un peu, mais dans l'esprit, je me dis qu'il y en a quand même, faudrait vraiment qu'ils se reposent de sérieuses bonnes questions. Mais que voulez-vous? Nous, on n'y peut rien, on ne fait que donner notre avis, et c'est pour ça que les éditos, pour moi, servent à ça, c'est de donner mon avis sur l'instant et sur le moment. Alors c'est peut-être parfois assez radical, assez dur et assez brut de décoffrage, complètement personnel, je le reconnais. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait du bien. Ça sert aussi à ça. Et bien voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao!